tout le monde, c'est Younes. Coucou tout le monde, c'est Amit. Moi c'est Zesso. Voilà, moi je voulais parler de mon expérience avec Massil. Tu m'as demandé d'enregistrer une chanson pour lui. J'ai été surprise par la qualité de ses textes. Tu as vraiment une très belle plume, Massil. Franchement, j'ai kiffé. C'est l'histoire d'une rencontre entre plusieurs mondes, celui du handicap, du rap et du cinéma. Massil est né avec une infirmité motrice cérébrale et le rap est le langage qu'il a choisi pour s'exprimer avec la voix des autres. J'écris le scénario de ma destinée, mais ma vie n'est pas un film, souvent sur le banc des accusés. Si le rap était un crime, souci d'élocution, donc la détresse rappera mes couplets. À 13 piges, je pousse le mouvement sans passer par la mairie. Dans la salle d'attente du succès, j'ai vu ma carrière poireauter des années. L'handicap m'empêche de courir après mes rêves, donc je me sens dépassé. Et que des belles paroles, que des belles paroles, que des belles paroles, que des belles paroles. Quartier Beauval, à Meaux. Le décor de la vie de Massil Kasri devient décor de film en 2020. Un film pour raconter sa vie, lui l'handicapé, passionné depuis qu'il découvre à 13 ans le rap US. Bénévolement, Mohamed et Souleymane du collectif Mindjacking se font embarquer par sa détermination et signent le court-métrage Belle Parole. Alors, comment s'est passée la rencontre ? Le cinéma, je suis venu en tutorat à verre. Mohamed un jour me dit qu'un jeune l'a contacté via les réseaux pour éventuellement écrire un film. Je prends contact avec Massil et il m'explique qu'il aimerait bien raconter sa vie. Je lui dis mais c'est quoi ta vie exactement? Et puis je vois qu'il avait déjà commencé un projet de carrière. Ce qu'il a fait c'est un projet d'écriture où il fait adapter les textes qu'il fait interpréter aux artistes. Massil, t'es encore endormi avec tes écouteurs. Et c'est Cini qui va aller à ta place à tes séances de kiné. Massil, réveille-toi. Viens te réveiller toute la nuit. Oui, toute la nuit, c'est ça. J'ai besoin d'un rappeur qui rappe. J'espère que t'écris mieux que tu parles, parce que là, c'est rouge, cousin. Allez, Massil, t'es un bâton, vas-y, là. Les projets, c'est comme toi, tout le temps, on finira par marcher. Nous, on fait un cinéma qui est propre à nos valeurs, pour que les gens y retiennent en tout cas un message soit préventif ou soit en fait qui fait éveiller les consciences. C'est ce qui nous a motivés à regrouper une petite famille. C'est super important qu'on tombe sur des acteurs qui sont sincères. Tu veux dire que c'est des rencontres intenses, donc ça peut être des révélateurs aussi. Ouais, c'est révélateur, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut pas faire semblant avec toi, c'est ça? Non, c'est ça, on triche pas avec lui, en fait. Elle vous a trouvé un bon vous, le bon germain. Ce qui ressort aussi dans le film, c'est que t'es pas toujours très commode. Alors, j'ai un caractère, je sais où je veux arriver. Il se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas d'handicap, qui sont bloqués dans leur truc. Lui, il est bloqué dans son corps, alors que son esprit n'est pas handicapé. Il est très, très, très cérébral, il sait très bien. Vous voyez le joystick de son fauteuil, eh ben, c'est lui qui gère les gens comme ça. Vous, vous n'êtes pas forcément du monde du rap. Non. Mais c'est pas forcément le monde qu'on imagine le plus ouvert à ces questions-là. Il y a eu des déceptions aussi, j'imagine. Oui, forcément. Aujourd'hui, il y a personne sur cette terre qui peut me maintenir. Zesso, rappeur, est le premier à lui prêter sa voix en 2014. L'artiste de Vitry lui propose alors de se lancer dans un véritable album et le met en contact avec son réseau. Aujourd'hui, il l'accompagne sur chaque projection du film Belle Parole. Mahamadou Camara, militant associatif et chauffeur, a assisté à l'une d'elles. Et après ça, moi, ça m'a tellement touché que j'ai commandé un véhicule PMR qui me permettra aussi de transporter des personnes à modalité réduite. Ça m'a encore plus donné la motivation de m'impliquer. Tant mieux.
peut-être ça peut faire évoluer la mentalité. À bientôt. Allez, allez, vos gosses. Portez-vous bien. Autonome, le jeune auteur vit dans une résidence médicalisée dans son quartier. Tu connais bien les lieux. Ouais, ouais. Donc, Massil, c'est ici que tu vis et que tu écris, donc. Le talent ne paye pas, sinon j'aurai le salaire de Bill Gates. Le bif, on en a manqué, donc on en veut. Qui a écrit ça? Le but, c'est de brasser mon dit et je parle pas de natation. Pas besoin de suivre le foot pour être. C'est un petit capitaliste quand même. Il a vu sa ville à Béjaïa. Si tu le veux, je tiendrai parole avec un max. Quand je venais pour les tournages de Belles Paroles, je voyais qu'il avait un joystick. Mmh. Au début, je lui dis ouais, c'est un jeu. Il me dit non, j'écris avec. Et les thèmes qui reviennent le plus dans ces textes? Après, ils sont variés, mais il y en a beaucoup qui touchent sa vie. Il y a des textes qui sont à caractère social. Mmh. Il a fait un texte avec Faf Larage qui s'appelle « Si j'étais valide ». Si j'étais valide, j'aurais une diction parfaite. Donc sur cette planète, je ne serais pas un incompris. Et ce morceau, il n'est pas sorti encore? Non. Ouais, c'est une excuse pour pas de quartier. Depuis 7 ans, il a réussi à faire rapper ses punchlines à des pointures, parmi eux Cynic, artiste de l'Essonne, aux millions d'albums vendus. Des kermesses, pouvoir un jour récupérer nos âmes d'enfants avant mon putain d'handicap, avant le regard des gens. Cette diction là, est-ce que tu l'as toi dans ta tête? Ouais, au moment d'écrire, je ferme les paroles. Et là, Cynic par exemple, il a chanté comme tu l'imaginais? Ah, mais tout à fait, c'est un ami qui m'a donné envie de faire du rap. Et donc t'as dû être très heureux le jour où il a interprété ça. C'est un honneur. J'étais comme un enfant. Tu es une star, moi je fais partie de ces fans. Sa première compile, Dealer de ma part, sortira fin 2022. Dealer, 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 dealer. Ouais, moi c'est... Yeah.